Bon, salut les amis. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous présente la version 2 alpha ou bêta du chariot. Pourquoi version 2 ? Parce que sa version, le chien va pouvoir s'allonger avec votre aide. La version 3 sera celle où le chien pourra s'allonger sans vous. Voilà. Donc voilà, vous avez votre chien qui court, toujours avec nos suspensions, comme d'habitude. Je vous ai mis juste un boudin là pour vous rendre compte, ok ? Et quand votre chien est fatigué, au bout d'un moment, vous n'allez pas le désarnacher et tout ça. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est enlever ça. Enlever ça. Je vais travailler sur l'ergonomie, hein, vous inquiétez pas. Enlever ça, voilà. Et votre chariot s'abaissera jusqu'à là. C'est-à-dire que votre chien reposera pratiquement par terre. Il sera par terre. C'est-à-dire que votre chien pourrait rester, je ne sais pas si vous voyez bien, votre chien pourra rester allongé quand vous êtes en promenade, vous voulez vous arrêter. Et quand vous voulez repartir, il vous suffira de reprendre le chariot, c'est-à-dire de soulever le chien, voilà, et de remettre vos petites goupilles. Voilà. Vous remettez vos goupilles, vous voyez, il n'y a rien à visser. Hein. Il suffit de remettre les goupilles et votre chariot repartira comme avant. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Voilà, je travaille sur l'ergonomie et tout, mais c'est le principe. Le principe, c'est hop, hop, et votre chien s'allonge.